Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver et bien pour entamer ce mois de novembre. Nous sommes lundi 6 novembre 2023, comment allez-vous? Bien j'espère et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Eh bien nous allons commencer avec le tarot Vision Quest. Et je prendrai toutes les lames, que ce soit mineure ou majeure. Et on terminera avec l'oracle de l'évolution. Mais avant de commencer, j'attire de bonnes relations et de bonnes personnes dans ma vie. Je m'entoure facilement de gens positifs et sains. Je me libère totalement de tout jugement, colère, culpabilité et totalement du passé. Et vous dites cela 3 fois. J'ai pigé dans le tarot Vision Quest pour aujourd'hui le 9 de l'eau. Eh bien, le 9 de l'eau, c'est la joie. Quel est l'essence de cette carte? C'est la joie, comme il est marqué sur la carte, mais pas que. C'est aussi la force. C'est aussi le bonheur, l'élan. C'est aussi une grande ouverture et liberté pour connaître le bonheur intérieur et pour également le vivre, n'est-ce pas? Vivre ce bonheur intérieur que vous avez. Pour le message interne de cette carte, eh bien, pour certains d'entre vous, vous pouvez à présent montrer entièrement votre amour pour vous-même. Ainsi que pour les autres, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous ouvrirez une porte sur une existence entièrement nouvelle. Alors on vous invite à prendre plaisir à ce qui vient, à vous, et surtout à ce que vous avez déjà, car c'est important, n'est-ce pas, de prendre plaisir. La force de votre joie intérieure animera ainsi et rajeunira maintenant votre petit cœur. Alors, la manifestation extérieure de cette carte, eh bien, la force de votre joie de vivre va générer également sans pour autant que vous fassiez des efforts. D'heureuses manifestations dans votre vie extérieure. Et c'est un moment opportun, n'est-ce pas, pour concrétiser cette joie extérieure. Et cette joie réelle engendra souvent plus de joie et se répandra de plus en plus. Également sur, eh bien, les personnes qui vous entoure, les personnes que vous côtoyez. On vous invite à garder le canal intérieur de votre joie, de vivre libre et ouvert. On vous invite aussi à ne pas le barricader, n'est-ce pas? Pas de nouveau le barricader avec... Eh bien, des défunts souvenirs de votre passé, parce que si vous ressassez votre passé, vous n'ouvrirez pas cette porte. Donc, soyez vraiment présentement dans cette belle joie intérieure pour la manifester extérieurement. C'est le message de cette carte. Encore une fois, ça parlera à certains
et ça ne parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui vibre en vous. On termine avec l'oracle de l'évolution et j'ai pigé le petit message suivant. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Ça, j'ai déjà entendu, c'est ma maman qui me disait ça. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras. Rien ne presse. Donc, si vous avez de l'impatience pour quelque chose, eh bien voilà. N'allez pas plus vite que la musique, ça ne sert à rien. Laissez faire les choses, chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Je vous souhaite une toute belle journée. On se retrouve demain avec un nouveau message du Tarot Vision Quest. Et puis d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez, dans la joie, n'est-ce pas? Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.